Ce matin, mes frères, la joie est à son comble, vous en conviendrez avec moi. Les cloches ont sonné à toute volée au moment du Gloria. Un tombeau s'ouvre, un mort revient à la vie. Et quelle mort, et quelle vie, la vie éternelle. Oui, on croit rêver, mais c'est la réalité, la foi nous l'assure. La résurrection du Christ est un fait historique incontournable. C'est dire qu'il y a des preuves, il y a des témoins oculaires, et c'est avec ces derniers, si vous le voulez bien, que nous allons tenter ce matin de pénétrer ce mystère d'espérance. Car disons-le tout de suite, si le premier ressuscité, c'est le Christ, les prochains ressuscités, c'est nous. Et il y a de quoi se réjouir. Si bien que ce matin, personne n'a le droit de pleurer, je vous en supplie mes frères. Laissez de côté tout ce qui vous préoccupe, que chacun oublie ses difficultés et même son drame. Tout s'arrange, y compris la mort, et c'est dans cet esprit qu'il faut vivre sa vie. Sinon nous sommes perdus, mes frères. Mais si vous le voulez bien, nous en venons tout de suite aux événements qui nous rassemblent ce matin. Nous voici au lendemain du sabbat, donc un dimanche matin, et à l'aube, nous rejoignons les femmes, les saintes femmes, autant dire notre chère Marie-Madeleine, l'ex-courtisane. On dit souvent que c'est une prostituée, pas du tout. C'était une grande courtisane, elle était très recherchée, elle devait être très belle. Elle était surtout passionnée de Jésus, bouleversée par son amour, exorcisée par sa puissance, amoureuse de la sagesse divine, convertie au christianisme le plus pur. Vraiment, Marie-Madeleine, ce matin, c'est elle qui nous conduit jusqu'au tombeau, et il est bon de la suivre, croyez-moi. Et cela nous donne beaucoup d'espérance, mes frères. Regardez d'où est partie Marie-Madeleine et où elle est arrivée. C'est une des plus grandes saintes de l'humanité. Rappelez-vous, mes frères, que Jésus ne nous regarde pas d'une manière générale, en partant de notre naissance jusqu'à notre mort, pas du tout. Il nous prend sur l'instant. Et même si vous aviez commis dans votre vie des choses graves, soyez rassurés, le pardon de Dieu est là pour vous. Même si vous ressemblez à Marie-Madeleine, croyez-moi, je ne sais pas comment elle a exactement vécu, mais imaginons qu'elle ait connu son dernier homme à midi, à une heure elle a rencontré le Christ, il l'a prise dans ses bras purs, il lui a tout pardonné et tout a commencé. Et c'est elle qu'il choisit pour venir découvrir le mystère de sa résurrection. Vous vous rendez compte, mes frères? On peut dire d'une certaine manière qu'il ne prend pas les meilleurs, il prend les plus ardents, les plus passionnés, les plus amoureux. Et j'espère, mes frères, que vous faites partie de ces catégories. Et avec elle, ce matin, avec Marie-Madeleine, eh bien, il y a aussi une autre Marie que nous aimons beaucoup, qui est la mère de Jacques, dit le mineur, à ne pas confondre avec le grand apôtre Jacques. C'était la mère de Jacques et de José. Elle fait partie des femmes qui, depuis la Galilée, suivaient Jésus. Elle écoutait sa voix, elle le servait en l'assistant de ses biens. Vous imaginez toutes ces femmes qui étaient avec Jésus, qui l'aimaient, qui avaient compris qu'il y avait là la source d'un amour unique. Et nous, mes frères, nous devrions suivre le Christ avec cet élan, avec ce bonheur. Vous rendez compte que le Christ est à portée de main. Nous avons encore le droit dans notre pays de vivre notre foi. Je ne dis pas que nos églises sont vides, parce que tous les dimanches au moins ici, c'est plein. Mais voyez, aujourd'hui vous êtes vraiment venus en grand nombre, et c'est magnifique, et je suis sûr que Jésus est rempli de joie en vous voyant, parce que vous n'êtes pas seul. Dans votre cœur, il y a aussi vos enfants, vos petits-enfants, qui ont peut-être abandonné la foi, qui vivent complètement en autarcie, loin de Dieu, et aujourd'hui, vous les portez dans votre cœur. Comme le Christ doit être heureux, il faut que nous ressemblions à Marie-Madeleine, il faut qu'on ressemble à la mère de Jacques et de José, qui de bon matin se sont rendus au sépulcre. Vous savez, cette Marie, mère de Jacques, nous savons que, par la tradition, que c'est la sœur de la Sainte Vierge. C'est donc la tante de Jésus, et ce n'est pas rien. Il y a aussi avec Marie-Madeleine et cette Marie, en ce matin unique, une certaine Salomé. Elle est nommée dans l'Évangile, et vous savez que son prénom signifie « paisible ». Voilà un joli prénom rempli de sens. Je vous le conseille pour vos enfants. Et cette Salomé, eh bien, c'est la mère, cette fois-ci, des deux grands apôtres que sont Jacques et Jean. C'est elle, vous vous en souvenez, qui avait demandé à Jésus de permettre à ses enfants d'être un jour assis près du Christ dans le ciel.
Et Jésus avait rappelé à cette occasion à cette bonne mère d'ailleurs, mais aussi à toute l'Église, et ça nous fait du bien ce matin de le réentendre, que le plus grand aux yeux de Dieu, c'est celui qui se fait le serviteur de tous. Ça, mes frères, vous savez, c'est la note principale du christianisme. Servir, servir, ce qui revient à dire aimer, aimer. C'est ça l'amour. Tout le monde se demande ce que c'est que l'amour. Attention, mes frères, ne nous trompons pas. L'amour, c'est le don de soi. C'est vouloir que l'autre soit heureux. Et regardez ce matin, ces sept femmes, ces saintes femmes, elles se rendent à la tombe. Elles sont convaincues que le Christ est bel et bien mort. Elles l'ont vu hier même de loin, accroché comme une bête sur la croix. Elles y vont parce qu'elles aiment. Elles ne peuvent plus rien attendre en retour. Essayons, mes frères, aussi de recevoir cette leçon. Autant le dire tout de suite, ces trois femmes sont merveilleuses d'amour et de délicatesse pour leur Jésus. Je vous le redis, qu'elles croient mort à jamais. Et je ne pense pas me tromper en affirmant que si elles se rendent très tôt au tombeau, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas fermé l'œil de la nuit et parce qu'elles entendaient retourner à la tombe au plus vite pour achever l'embaumement du corps de Jésus qui avait été en quelque sorte bâclé en raison du sabbat. En effet, la toilette mortuaire avait été accomplie rapidement et le corps de Jésus, avant la tombée de la nuit, avait été déposé dans le tombeau neuf de notre cher Joseph d'Arimathie, à qui nous devons tant. Je vous signale, mes frères, mais essayez de bien visualiser cette scène avec moi, vous remarquez que la Sainte Vierge n'est pas présente. Elle n'est pas là. Pourquoi ? Elle est chez elle. Elle attend la résurrection. Elle ne doute pas de la parole de son Fils. Elle est tranquille. Elle attend la venue de cette lumière extraordinaire qui viendra la soulever des ténèbres qui ont brisé son cœur au jour du Vendredi Saint. Et vous aussi, mes frères, je vous le dis bien simplement, quand vous perdez un être que vous aimez à la folie, c'est sûr qu'on pleure. Et moi-même, j'ai pleuré dans ma vie lorsque j'ai perdu mes parents, c'est sûr. Mais en même temps, croyez en cette résurrection. Faites comme Marie, enfermez-vous dans votre chambre, pleurez un bon coup, et puis vous dites au Seigneur, que soit bénie ton adorable volonté. Je sais que c'est difficile ce que je vous dis là, mais c'est comme ça qu'on va réussir à tenir debout. Parce que c'est la mort qui nous fait peur. Et quand on voit les nôtres s'en aller, si on croit bien sûr qu'ils s'en vont dans la terre, à 2 mètres là, voyez, comment voulez-vous qu'il y ait encore la joie en nous? C'est fini, on n'a plus envie de vivre. Tandis que lorsqu'on découvre qu'on est fait pour la vie éternelle, mais c'est merveilleux mes frères, ça change tout. Aussi ces trois femmes, à l'image de toutes les autres femmes, toujours insatiables en matière d'amour, et elles ont raison, toujours en principe remplies de délicatesse et d'attention pour l'être aimé, elles n'ont qu'un seul désir ce matin, c'est d'aller au plus tôt près du corps de celui qui leur a fait expérimenter comme personne la beauté et la grandeur de l'amour absolu. Dans leurs mains, vous savez bien ce qu'elles ont, elles ont des aromates, et d'abord de l'aloès, c'est sûr, et du parfum, probablement de la myrrhe, cette résine aromatique venue de l'Arabie, habituellement utilisée pour les sépultures. Je vous avoue que j'aime particulièrement cette hâte des saintes femmes, cette divine impatience qui les habite et qui les pousse à se rendre au plus tôt aux abords de la tombe. Elles ont bien fait, vous connaissez la fin de l'histoire. C'est dire que si nous voulons les imiter, ces saintes femmes, car elles sont désormais des exemples pour toute l'humanité, nous devons faire partie de ceux qui font toujours le premier pas dans l'ordre de l'amour. Et qui surtout ne tarde pas à le faire. Et oui, ô combien il faut se le redire et s'en convaincre, car notre nature espère toujours un comblement de la part de l'autre. Allez, viens, aime-moi, aime-moi, montre-moi que tu m'aimes. On est comme ça. Alors on attend sans cesse son mari, sa femme, son ami, qu'est-ce que j'en sais moi? On attend que tous ces êtres viennent et vous manifestent leur amour et nous comblent. Alors qu'en fait, il faut toujours être soi-même l'artisan du premier pas, être celui qui donne l'impulsion à l'amour et qui souffle dessus pour qu'il s'embrase. Et cela doit se percevoir sur les gestes les plus simples de la vie. Je vous l'ai dit il y a un instant, le plus grand aux yeux de Dieu, c'est celui qui se met au service de son frère, autrement dit, c'est celui qui offre les gestes de l'amour.
Vous attendez que quelqu'un vous appelle au téléphone ou vous écrive pour vous prouver son amour. Mais appelez-le, écrivez-lui. Faites le premier pas. Le matin, si vous vous levez de bonne heure, jetez-vous dans la cuisine et préparez un bon petit déjeuner à votre mari, à votre femme, à vos enfants. Soyez toujours le premier, la première à aimer le plus concrètement possible. Et vous allez voir si l'amour va prendre son élan. Je me souviens d'un homme qui m'avait dit ceci. Même quand j'ai soif, sans l'avoir dit, ma femme le sent et elle va me chercher un verre d'eau. Comme c'est beau, j'espère simplement que l'homme en fait autant pour sa femme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les saintes femmes nous rappellent que l'amour, quand il existe, se fait le plus concret possible et qu'il ne saurait se passer de cet élan, de ce dynamisme intérieur et extérieur qui le prouve. Qui se fait servir, qui profite d'un amour pour se faire cajoler, n'a rien compris à son mystère. Quand on aime, on ne dort plus, on pense à l'être aimé et on court pour le rendre heureux. Elles ont donc couru, nos saintes femmes, en direction d'une tombe et d'un mort qui, au fond, ne peut plus rien faire pour elles. Mais qu'importe, ce sont elles qui veulent encore faire quelque chose pour lui. Sur le chemin de l'aube à peine éclairée, permettez-moi de revisiter avec vous cette histoire magnifique. En entrant dans le jardin où se trouve la tombe, elles se demandent, entre elles, comment elles vont faire pour déplacer l'immense pierre qui a été roulée par la force de plusieurs hommes, de manière à boucher l'accès de la tombe. Vous allez me dire, elles auraient dû y penser plus tôt et demander à des hommes de les accompagner. Non, non, non. Penser cela, c'est ne pas comprendre la psychologie féminine. Les femmes entre elles, quand elles se mettent d'accord, pensent toujours s'en sortir sans avoir besoin des hommes. Et c'est vrai qu'en principe, elles réussissent assez bien. Ah, aujourd'hui, mes frères, je veux mettre toutes les femmes à l'honneur. Non simplement parce que je trouve Marie-Madeleine et ses copines absolument magnifiques d'amour et de détermination. Mais parce que vous savez, mes frères, quand on veut détruire une société, on abîme la femme. Et en l'abîmant, on met tout par terre. Ne l'oubliez jamais. Vous touchez le mystère de la femme, vous détruisez tout. Il faut qu'elle soit à sa place. C'est-à-dire, il faut qu'elle demeure la gardienne de l'amour. Si elle sort de l'amour, je ne dis pas par là, attention mes frères, qu'elle ne doit pas se réaliser elle-même, mais si elle se dégage du mystère de l'amour, nous sommes tous perdus, et les familles exploseront, et les enfants pleureront, et les hommes se resserreront entre eux. Tout sera désastreux. Tout repose sur la femme, comme tout a reposé sur l'être sublime de notre mère, la très sainte Vierge Marie, qui nous a donné le Christ. Même les anges, vous savez, aiment les femmes. Et ils les ont bien soutenues en ce matin de la résurrection. La preuve, c'est que lorsqu'elles arrivent au tombeau, à leur stupéfaction, elles se rendent compte que la pierre a déjà été roulée. Elles n'en reviennent pas. Et c'est leur courage maintenant que nous allons devoir saluer. Si l'on en croit l'Évangile, et en particulier le récit de saint Marc que nous avons lu ce matin, les voilà qui entrent dans le tombeau, autrement dit, dans la chambre mortuaire qui n'est que nuit. Oui, elles sont courageuses, car à part les fossoyeurs qui sont habitués à ce genre de visite, peu de personnes entreraient au petit matin encore sombre dans un tombeau. Il y a de quoi frémir, mais je vous l'ai déjà dit, l'amour ne recule devant rien. Quand vous aimez, vous êtes capable de vous dépasser complètement. Et les voici maintenant à l'intérieur, elles avancent à pas lents dans la chambre obscure, quand tout à coup, elles sursautent, et il y a de quoi, un homme est là, tout habillé de blanc qui les regarde. Selon saint Luc, il porte un vêtement d'une blancheur éblouissante qui ne peut venir que d'un autre monde. Là, pour le coup, elles ont peur. L'Évangile dit qu'elles sont saisies de frayeur. Un frisson les traverse. C'est toujours ainsi, mes frères, lorsqu'un être humain se trouve confronté à la transcendance ou à une manifestation venue de l'au-delà. Que ce soit un ange, un saint ou la Sainte Vierge qui apparaissent, car mes frères, vous pouvez avoir l'apparition d'un saint, d'un ange ou de la Sainte Vierge, ce n'est pas impossible.
Nous savons que le premier mouvement de la part de celui qui est confronté à une telle intrusion, c'est la peur. Et puis ensuite, c'est la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité dans l'âme. Tous ceux qui ont vu la Sainte Vierge ont connu cet état. Au début, une peur, mais une peur panique. Que voulez-vous ? C'est le ciel qui vient sur la terre. Et puis tout de suite après, ce sentiment de plénitude. Tandis qu'avec le démon, avec Satan, sachez-le mes frères, cela pourrait vous aider un jour. Au début, tout est beau. Tout est attirant de la situation qui tente. Mais ensuite, tout s'abîme, tout se pourrit et tout se transforme en désastre. Mais ne quittons pas la tombe. Et ce que nous allons vivre est extraordinaire, car le dialogue s'instaure entre le ciel et la terre. N'ayez pas peur, c'est le premier mot que cet envoyé céleste envoie à ces pauvres femmes toutes tremblantes. N'ayez pas peur, et c'est le premier mot que nous recevons nous aussi, en ce matin merveilleux, que nous ne devons jamais oublier. Rien ici-bas ne doit nous effrayer, sauf Dieu s'il nous apparaissait. Mais juste sur une seconde, et puis ensuite, comme je vous le disais, c'est la plénitude de la joie. Rien n'a donc le pouvoir de faire trembler notre vie. Nous appartenons tous au Christ. N'oublions jamais que nous sommes ensemble invincibles face aux puissances des ténèbres. Et encore une fois, rien ne doit nous effrayer et pas même nous inquiéter. Si nous sommes inquiets, c'est que nous n'avons pas la foi. Rien n'a le droit de venir altérer notre paix intérieure, car le Christ est en nous avec sa grâce. La Sainte Vierge nous soutient. Je vous rappelle qu'elle est vivante en ce moment où je vous parle. L'Église nous assiste de sa prière, de ses sacrements. Et par conséquent, les épreuves sont appelées à être toutes dépassées, les difficultés enlisées, le malheur conjuré et la mort, vous allez le voir, complètement détruite par la vie nouvelle que Dieu donne à tous les hommes qui croient en lui et en ce jour à son Fils unique, qu'il relève de la mort et qu'il fait entrer dans la gloire qu'il avait connue jadis. Le Christ est venu sur la terre, mes frères. Il a quitté la gloire, vous rendez compte, il l'a fait pour nous, pour nous aimer, pour nous dire qu'on avait un destin éternel. C'est pas le moment de l'oublier. Et maintenant, mes frères, regardez ce qui se passe, écoutez l'ange, car ce jeune homme en blanc est un ange. Vous cherchez Jésus de Nazareth, dit-il, le crucifié, celui qui est mort vendredi, immolé sur le bois de la croix, vidé de son sang. Eh bien, laissez-moi vous dire, continue l'ange, que votre Jésus, votre amour, votre Dieu, il n'est plus ici, il n'appartient plus au monde des morts, il est ressuscité. D'ailleurs, ajoute-t-il en indiquant de ses mains célestes la dalle où reposait le Sauveur, voici l'endroit où on l'avait déposé, et comme vous le voyez, vous ne voyez rien. Allez dire à Saint-Pierre et aux apôtres que Jésus les attend en Galilée. Et là, mes frères, l'évangile est formel, les femmes ont tellement peur de ce qu'elles viennent de voir et d'entendre, qu'elles s'enfuient du tombeau sous l'effet d'une stupeur incontrôlable. Ici, mes frères, nous découvrons, bien que nous le sachions déjà, que les femmes sont impressionnables, que leur sensibilité en quelque sorte les domine. Mais ce n'est pas pour autant une faiblesse. Les femmes ressentent fortement les choses, c'est vrai. Et c'est sans doute la meilleure manière de les appréhender, puisque Dieu les a choisies pour recevoir en premier l'annonce incroyable de la résurrection de son Fils. Le cœur de la femme n'est pas un cœur de pierre, du moins je l'espère. Et quand vous la voyez exercer l'autorité avec une main de fer, faites attention, vous sentez qu'on sort de sa nature. La douceur, la bonté, la générosité, le sourire sur le visage, même les pleurs qui coulent quand elle est blessée, tout cela montre le chef-d'œuvre qu'elle est aux yeux de Dieu. Dans un premier temps, nos saintes femmes vont donc devoir retrouver leur esprit. Elles vont devoir se ressaisir. Mais c'est l'affaire de quelques minutes, puisque nous savons par l'évangéliste saint Luc qu'au retour du tombeau, elles annoncent la nouvelle aux 11 apôtres réunis dans le cénacle avec une exubérance telle, tenez-vous bien, que les apôtres ne vont pas les croire. Sauf saint Pierre et saint Jean. Autrement dit, sauf Pierre, le chef de l'Église, le garant de la foi, le premier pape, et Jean, l'ami intime, l'ami fidèle, l'ami qui s'attend à tout de la part de l'être aimé.
Et tous deux, comme vous le savez, courront vers le tombeau, à jambes déployées, et à peine arrivés sur place, ils comprendront à l'intérieur de leurs âmes, je dirais mystiquement, que le Christ, le Fils unique de Dieu, est vivant. À leur suite, mes frères bien-aimés, nous nous penchons maintenant, car nous sommes en train de vivre, si j'ose dire, en direct la résurrection de Jésus. C'est ça la liturgie. Nous revivons le mystère. Nous nous penchons donc sur la dalle vide et nous admirons avec la foi arrivée au cœur la résurrection du Christ opérée par la puissance divine qui nous assure que la mort a perdu la partie dans le Christ et déjà en chacune de nos vies promise à la vie éternelle. Alors mes frères, en ce matin de Pâques, le message est clair, n'est-ce pas ? Jésus, Jésus est le sauveur du monde. Il est le sauveur de la vie. Il est la première personne à être sortie vivante définitivement des griffes de la mort. Ce que je vais vous dire est donc assuré. Après les épreuves de cette vie et la mort qui les achève, nous allons vivre éternellement avec le Christ, avec sa mère et avec tous les défunts de nos familles qui nous manquent tant. Un jour, nous allons les retrouver. C'est promis, juré, prouvé. Et c'est la plus belle nouvelle que la Sainte Église nous fait entendre depuis 2 millénaires. Et c'est magnifique. Mais quoi, quand vous croyez en la vie éternelle, mes frères, mais ça vous change la vie, parce que ça vous l'agrandit. La vie n'est plus contenue dans les limites de ces pauvres 80, 90, 100 ans que les plus solides d'entre nous parviennent à atteindre. Prenez une rose et imaginez qu'elle ne se fane jamais. Parce que je vous rappelle que dans le ciel, nous sommes éternellement jeunes. C'est la personne, l'âme séparée, qui se retrouve près de Dieu. Il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'âge, mais il y a toutes les facultés humaines, intelligence, volonté, mémoire, imagination, tout y est, c'est la personne. Et tous les saints que nous vénérons ici, voyez dans cette église, de Jean-Paul II jusqu'à Saint-Augustin, ils sont tous à l'état d'âme séparée du corps, dans le ciel, dans une plénitude de joie extraordinaire. C'est une vie d'amour, une vie de joie, une vie de bonheur sans ombre qui nous attend, et surtout sans fin. On a du mal à le croire, parce qu'on est rivé là, à notre petite vie concrète. Mais je vous promets que le destin de l'homme, il est magnifique. Vous vous rendez compte, regardez tous ces objets qui sont ici dans cette église, ces tableaux. Vous croyez que Dieu a l'intention de les faire survivre ? Oui, ils survivent sur la terre, ils nous dépassent même. Cette icône ici, elle est là depuis 1897. Alors moi, j'aurai moins de valeur et je vais pourrir dans la terre. Ce n'est pas possible. L'homme a un destin éternel. Voilà la vérité. Donc ne soyez pas inquiets. Arrêtez de vous préoccuper de l'avenir. Sur la terre, tout reste imparfait. Les présidents de la République peuvent changer. Les lois iniques être proclamées. Des nations entières peuvent être détruites sous les coups de la guerre et du terrorisme. Les rapports humains peuvent s'abîmer dangereusement. L'égoïsme prendre le pas sur la bienveillance fraternelle. De toute façon, et c'est notre espérance, chacun au jour de sa mort se sentira saisi par la main de la Sainte Vierge et transporté avec une tendresse incroyable, escorté par la blancheur des anges dans le royaume éternel de l'amour. Voilà notre destinée la plus sûre. Allez, mes frères, arrêtez d'avoir peur, de gémir, de vous plaindre, de désespérer, de craindre, de pleurer, de douter, ou pire encore, de vivre uniquement pour les réalités d'en bas. Croyez en la résurrection qui vient d'en haut. Amen.